Et yo les gars, c'est Vazanili, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors les gars, aujourd'hui toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube les gars. Donc ça fait quelques jours quand même que j'ai pas sorti de vidéo, parce qu'en ce moment je suis en train de tryhard un gameplay. Du coup j'ai pas trop le temps de faire une vidéo. Malheureusement le gameplay, je toujours pas réussi à le faire, c'est très difficile les gars. C'est simplement j'essaie de faire la nucléaire avec la pire SMG du jeu. Du coup c'est pas facile, j'ai fait beaucoup de brutal. Mais du coup simplement voilà, je suis niveau 155. Donc voilà, donc du coup on va regarder un petit peu mes statistiques, tout ça. Je vais vous parler un petit peu du jeu, de moi ce que j'en pense. Après être monté niveau 155, ce qui fait beaucoup 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 de parties. Après j'ai été très long à monter parce que j'ai rage quit énormément de game. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai 859 parties jouées pour voilà 0,44 2 VD. Du coup j'ai quitté énormément de parties. Donc au niveau de mes armes les plus utilisées, ça va être clairement, comme on voit, voilà, ça va clairement être la M4. Après il y aura la AK-47, bah, l'arme avec laquelle j'essaie d'avoir la nucléaire, mais j'arrive pas, j'ai fait beaucoup beaucoup de brutal. Et voilà, j'arrive pas. Du coup ensuite la FAMAS, 1000 kills, la Kilo qui est vraiment une bonne mitraille, une bonne AR aussi franchement. Après voilà, je peux pas vous mentir, j'ai pas trop testé les autres armes. Ça doit avoir un gros assez, ça va être deux. Du coup, ce que j'en pense du jeu, il est pas dégueulasse, mais beaucoup de choses à refaire quoi. Ceux qui ont vu mon clip sur Twitter, je me suis fait wallbang par au moins 8 murs de décalage. Du coup aussi, quand on arrive au niveau 55, on débloque une nouvelle variante, voilà la M16. Bon, c'est une M16 assez bizarre parce qu'en fait il y a le noob tube dessus. Donc du coup on va simplement se créer une classe pour voir un peu ce qu'elle donne. J'ai jamais vu la gueule qui est là en fait. Attendez, elle est où? Fusil d'assaut, hop. Donc du coup dessus il y a crosse de grenadier. En fait il faut comprendre que je crois, en fait je sais pas si les gens comprennent, mais en gros les variantes comme ça, c'est juste en fait le jeu qui vous met des accessoires hein. Je tiens à préciser, moi je peux refaire la classe hein. Il faut juste mettre les mêmes choses qu'il y avait sur la classe. Donc il y avait ça, ça. Ici, je sais plus trop ce qu'ils avaient mis, ils avaient mis un noob tube, on va mettre celui-là. Et tout tire en rafale, voilà, en gros, c'est juste ça, et voilà, on dirait que c'est la même arme, mais du coup, en fait, c'est juste que... Ils vous mettent des accessoires, en gros, c'est comme si, en gros, ils vous faisaient une classe prédéfinie, c'est pas des nouvelles armes spéciales que vous avez que à partir du niveau 155, c'est vraiment pas un... Voilà, c'est pas un truc cheaté. Après, au niveau des streaks, ce qui est bête, c'est qu'on peut les débloquer qu'une fois par vie, les haters durent pas assez longtemps, même si je pense qu'ils l'ont augmenté, ça, j'aimerais bien savoir ça sert à quoi. Au niveau des bonhommes, bah, j'ai que ceux du multijoueur, hein. Voilà, du coup franchement les meilleures armes, celle-ci elle est bien. La M13 est vraiment pas mal, je l'ai ramassée par terre une fois, elle est vraiment cool, même si elle est que niveau 1, mais elle est vraiment cool. Et la MP7, et puis la nouvelle map qui est franchement cool, j'aime bien, même si ça joue un peu sale dessus. Donc voilà, donc en tout cas les gars, c'était Fazanelli, moi je dis ciao ciao, à la prochaine les gars.